Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de La Parenthèse. Donc dans ce premier numéro, l'intérêt c'est d'essayer de d'éclaircir un peu les raisons qui nous ont fait monter cette chaîne. Et il y en a deux principales. Première raison, c'est d'abord de faire découvrir en fait le discours philosophique d'un grand courant du XXe siècle qui est la phénoménologie. Donc certains d'entre vous connaissent sans doute les auteurs comme Sartre ou Heidegger. Et justement, il sera question de faire droit aussi à d'autres auteurs de ce courant. Pourquoi faire découvrir? Parce que d'abord, c'est un discours théorique qui peut apparaître obscur, voire complexe, et qui est très singulier vis-à-vis, par exemple, d'autres discours théoriques, qu'ils soient philosophiques ou scientifiques. D'ailleurs, dans les vidéos qui prolifèrent sur YouTube ou dans des documentaires, on s'aperçoit qu'il y a une sorte d'homogénéisation en fait, des discours, puisque la plupart du temps, c'est par un biais d'une méthode scientifique qu'on aborde des notions, hein, par exemple, ou des thèmes, par exemple la conscience, les sentiments, via les neurosciences, ou bien on traite directement et on explique en fait, des thèmes scientifiques par eux-mêmes, par exemple la théorie de la relativité générale d'Einstein. Donc il était question en fait d'interrompre, de faire une suspension, enfin de créer une suspension de ces types de discours scientifisants, on pourrait dire, pour justement faire droit à la rationalité phénoménologique. Et puis donc la deuxième raison pour laquelle la chaîne donc s'appelle La Parenthèse, c'est que justement la phénoménologie, c'est une philosophie qui commence, on va dire, qui s'inaugure par une mise entre parenthèses qui correspond, on va le voir, à une espèce de neutralisation des idées préconçues, hein, et ces idées préconçues occultant en fait les choses sur lesquelles on essaye de réfléchir. Donc si on veut accéder à ces choses, hein, c'est-à-dire aux différents thèmes qui vont nous intéresser, il va falloir mettre entre parenthèses justement, on pourrait dire, tout le savoir et tous les préjugés constitués auparavant. La phénoménologie va revendiquer cette mise entre parenthèses hein, pour justement réfléchir à une variété de thèmes, mais elle va le revendiquer aussi comme une sorte de clause d'insouciance dans la mesure où elle va tenter de regarder les choses comme au premier jour, comme pour la première fois. Évidemment, il ne faut pas penser que c'est quelque chose d'aisé, hein, c'est justement rejouer cette première fois, c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses tentatives et qu'il y a autant de tentatives que de phénoménologies différentes. Pour faire découvrir le discours phénoménologique, quoi de plus cohérent que de demander aux phénoménologues eux-mêmes en fait, d'en parler. D'ailleurs, il y a un mot d'ordre très connu en phénoménologie qui dit justement « droit aux choses mêmes ». Donc nous, ce qu'on aimerait faire sur cette chaîne vidéo, c'est justement droit aux phénoménologues eux-mêmes. Et donc le principe de la chaîne, c'est d'inviter un phénoménologue pour traiter à chaque fois d'un thème. L'intérêt, ça sera justement qu'il rende intelligible le discours phénoménologique sur ce thème pour des gens qui n'ont pas fait de philosophie, et a fortiori qui n'ont pas fait de phénoménologie. Et puis, évidemment, pour cerner un certain nombre de conceptions et de problématiques liées à ce thème. Pour ce premier épisode, donc, la première notion qui s'impose, c'est évidemment la notion de phénomène. Il est évident qu'il faut élucider cette notion pour comprendre l'enjeu global de la phénoménologie, puisque phénoménologie signifie bien, au sens littéral du moins, la science des phénomènes. D'ailleurs, ce sens littéral de science des phénomènes est sans doute un peu naïf, puisque la phénoménologie, on le verra, n'est sans doute pas une science comme les autres, voire n'est pas une science au sens strict, hein, c'est-à-dire n'a pas le même mode de pensée. Donc pour traiter de cette première notion du phénomène, on a invité le phénoménologue Philippe Cabestan. Bonjour Philippe Cabestan, merci Bonjour. Beaucoup déjà de nous recevoir pour ce premier épisode de notre émission. Alors je vous présente rapidement, vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Janson de Sailly à Paris et président de l'école française de Dasein Analyse. Je précise juste au passage que la Dasein Analyse, c'est en fait la psychopathologie et la psychiatrie qui se basent et s'enracinent dans la phénoménologie du philosophe allemand Martin Heidegger. Et notamment d'ailleurs sur sa notion centrale de Dasein, hein, qui a permis de repenser à nouveau frais le sujet humain. Mais vous êtes aussi un grand spécialiste de Jean-Paul Sartre, et vous avez dirigé nombre d'ouvrages sur l'introduction à la phénoménologie.
Donc justement, ça tombe très bien pour cet épisode justement introductif. Alors aujourd'hui, on va essayer de s'entretenir sur une notion, la notion peut-être la plus importante, éminemment importante, celle du phénomène, si on veut comprendre évidemment le projet global de la phénoménologie. Donc entrons dans le vif du sujet, et ma première question, elle sera la suivante. Qu'est-ce qu'un phénomène au sens courant? Avant de vous répondre précisément aux questions que vous venez de poser, j'aimerais faire une simple remarque préliminaire parce que je me souviens de mes débuts en phénoménologie et j'ai pas oublié toutes les difficultés que j'ai rencontrées, les heures passées à lire, à essayer de comprendre. Et ma remarque préliminaire consisterait simplement à dire que la phénoménologie, c'est non pas un sacerdoce, le terme ne serait pas tout à fait adéquat, mais ça suppose beaucoup de temps, beaucoup de ténacité. On ne rentre pas dans la phénoménologie comme dans un moulin. Voilà. Et il y a des lectures à faire qui sont pas faciles. L'œuvre de Husserl, le fondateur, c'est pas une œuvre facile, c'est pas une œuvre dans laquelle on pénètre facilement. Et je ferai une recommandation. Il me semble que de nos jours encore, il y a un livre qui est vraiment intéressant, qui offre une bonne introduction à la phénoménologie, c'est le livre de Lévinas, La théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl, un livre qui a été publié chez Vrin, qui a été réédité à plusieurs reprises, et qui permet déjà de mieux comprendre de quoi il s'agit. Parce que la phénoménologie, c'est beaucoup d'auteurs différents. Il y a toute une histoire qui commence, bien sûr, on peut dire en 1900, avec les recherches logiques, et une histoire qui se poursuit, qui est extrêmement riche, puisqu'elle se poursuit déjà avec les disciples de Husserl, dont on ne parle pas très souvent, mais qui sont importants aussi, des gens comme Eugen Fink, par exemple. Elle se poursuit avec le grand disciple, qui n'est pas un disciple à proprement parler, qui est Heidegger, bien sûr, et puis on va pas tous les citer, mais Sartre, Merleau-Ponty, Ricoeur, etc. Tout ça, c'est dans le prolongement d'une histoire extrêmement riche. Et donc, il est difficile de s'y repérer. Alors, maintenant, répondons, et je vais essayer de répondre à la question que vous me posez. Qu'est-ce qu'un phénomène? Et d'abord, qu'est-ce qu'un phénomène au sens courant du terme? Il y aurait peut-être une manière de répondre d'abord à cette question en se souvenant de l'expression oh, « ce type, c'est un phénomène enfin, ». Quel phénomène, ce type, hein? Je pensais, parce que je préparais bien sûr cette rencontre, je pensais à un homme comme Coluche. Quel phénomène, hein. Même si maintenant il a peut-être un peu oublié. Hein. Mais bon, là, phénomène désigne une personne un peu hors du commun. Une personne qui ne se comporte pas exactement comme les autres. Une personne au sens extra, j'aurais envie de dire étymologiquement extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, au sens de qui sort de l'ordinaire. Ça, ce serait un premier sens. Quel phénomène. Et puis, il y a maintenant un sens peut-être, et là on se rapproche déjà de notre propos. Puisque le but, c'est de comprendre ce qu'est le phénomène de la phénoménologie, bien sûr. Il y aura un deuxième sens, c'est le phénomène au sens qu'on parle, par exemple, d'un phénomène météorologique. Par exemple, un orage. On parle aussi de phénomène géologique. Alors, à chaque fois, j'aime bien prendre, pour être bien clair, un tremblement de terre. Donc, ça, c'est un phénomène géologique. Et puis, on a aussi des phénomènes proprement humains, qui sont, par exemple, des phénomènes économiques. Le retour de l'inflation, là, un phénomène économique. Et il y a, alors là, ça devient peut-être un tout petit peu plus délicat et c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut parler de phénomène historique? Il me semble que là s'introduit un autre terme qui est celui d'événement. Et peut-être que ce serait intéressant de réfléchir sur cette. Bon, mais ça, ce Oui, serait tout à un fait. autre sujet. Hein, ce serait un autre sujet. Simplement, on voit que le terme phénomène a un sens dans la langue courante, un sens tout à fait, même relativement précis, puisque le phénomène, c'est ce qui se produit. Qu'il s'agisse d'un phénomène météorologique, d'un phénomène physique, d'un phénomène économique, etc., c'est ce qui se produit. Alors maintenant, et là ça commence à se compliquer un tout petit peu, il faut en venir au sens philosophique. Alors, bien sûr, il faut partir de l'étymologie. Phénomène vient du grec, vient le latin. Et en grec, phénomène désigne ce qui apparaît. C'est ce qui se montre, ce qui apparaît, ce qui se manifeste. Et il y a une formule qu'on attribue à Aristote, d'ailleurs, faussement, mais une formule qui a été bien souvent reprise,
il y a deux versions de cette formule. Il faut, c'est une injonction, sauver les phénomènes. Parfois, on dit aussi sauver les apparences. Et là, ici, il y a une distinction importante à faire. Parce que le phénomène, ce n'est pas l'apparence. En allemand, on a Schein et Erscheinung. Le phénomène, ce n'est pas l'apparence. Alors, quand on dit sauver les apparences, hein, par exemple, je me rends à une cérémonie, je suis au bord du divorce, bon, mais avec ma femme, on va sauver les apparences. Hein. Alors, on va opposer à ce moment-là l'apparence et la réalité. Hein. En apparence, on s'entend bien, en réalité, on ne s'entend pas. D'accord. On sauve les apparences. Hein. Mais justement, on va distinguer le phénomène et l'apparence. Le phénomène, c'est d'abord ce qui se manifeste, et en fait, l'apparence, c'est une fausse manifestation. Donc il faut penser l'apparence à partir du phénomène. Et donc ici, je laisse de côté l'apparence, parce que ce qui nous intéresse, c'est le phénomène. C'est l'élément premier. Et là, on arrive à une distinction fondamentale, contre laquelle justement la phénoménologie va se construire, c'est la distinction de Kant entre phénomène et chose en soi. Le phénomène, c'est pour Kant le réel tel qu'il m'apparaît à moi en tant que sujet de la connaissance. Et le phénomène, c'est le réel tel que je me le représente. On est dans une philosophie de la subjectivité et de la représentation. Et on oppose à ce moment-là le phénomène et puis la chose en soi, c'est-à-dire la chose telle que je ne la connaîtrai jamais, telle que précisément je ne puis pas la connaître, puisque dès que je me la représente, elle devient phénomène. La chose en soi, elle ne m'est jamais donnée. Elle ne fait pas l'objet d'une donation, puisque, encore une fois, ce que je perçois, ce que je me représente, ce sont toujours des phénomènes dans un cadre spatio-temporel qui constitue le monde. Alors pourquoi j'évoque cette thèse? Parce que précisément, la phénoménologie va se construire contre cette conception. Et avant d'en venir à Husserl, je voudrais citer Goethe. Goethe, qui a une très belle formule, que l'on retrouve par-ci par-là, reprise par des phénoménologues. Goethe dit, je le cite, « que l'on ne cherche rien derrière les phénomènes, ils sont eux-mêmes la doctrine. » Et donc ici, on tourne le dos précisément à la distinction entre phénomène et chose en soi. On tourne le dos puisqu'il ne s'agit pas de poser quelque chose derrière le phénomène, il n'y a rien derrière le phénomène. Il s'agit précisément de s'intéresser au phénomène lui-même et ne pas chercher quelque chose derrière le phénomène. Que l'on cherche rien derrière le phénomène, ils sont eux-mêmes la doctrine. Alors là, ici, on répond très simplement. Pour la phénoménologie, il ne faut pas distinguer entre être et apparaître. Ou plus exactement, être n'est rien de caché derrière le phénomène. Il faut au contraire penser que l'être est phénomène. Et que donc, on peut accéder à l'être à partir du phénomène. Et donc on va distinguer le phénomène au sens de la phénoménologie et puis le phénomène ou apparition au sens de Kant. Le phénomène au sens de la phénoménologie, c'est précisément ce qui manifeste l'être. Par exemple, prenons un phénomène sensible. Alors, en phénoménologie, on aime bien, il y a un exemple qu'on aime bien, c'est l'arbre. Hein, parce que c'est un exemple que prend Husserl. Hein. Cet arbre, je le perçois. Là, on a un phénomène sensible. Et il s'agit, en phénoménologie, de s'intéresser à l'arbre tel que je le perçois. On va s'intéresser justement à la perception. On peut s'intéresser aussi à des phénomènes psychologiques. Et à ce moment-là, ça peut être par exemple une tristesse qui m'envahit. Et alors là, le phénomène peut faire l'objet d'une description. Mais attention, il peut aussi s'agir de phénomènes sociaux. Par exemple, un phénomène comme la mode. Phénomène éminemment social. Et là aussi, pour la phénoménologie, il est important de décrire ce phénomène. Alors on verra tout à l'heure en quel sens il faut le décrire. Mais le point essentiel à ce niveau, c'est de s'intéresser au phénomène, on pourrait dire aux structures du phénomène, et d'essayer de décrire ce phénomène. Je parle de la mode,
pourrait parler de l'esclavage. Ça veut dire déjà que dans la phénoménologie donc entendue comme science des phénomènes au sens un peu littéral, tout à fait. Elle ne s'intéresse pas à un type de phénomène particulier, une région, pourrait dire, du monde où... Exactement. Et ça permet, vous me faites penser justement, vous m'amenez à me dire une chose qui est pour vous seul en tout cas très importante, c'est que la phénoménologie n'a pas un objet particulier, c'est pas une science, par exemple, de la nature, voilà. Ou une science de ces sociétés, etc. Mais la phénoménologie, c'est plus une méthode, hein, une manière de procéder, hein, une démarche. Hein. Et on va voir que cette démarche, on va y venir, cette démarche comporte des éléments qui sont décisifs et qui la caractérisent. Mais effectivement, on pourrait dire que la phénoménologie n'a pas un objet bien particulier, mais au contraire, ce qu'elle étudie, ce sont les phénomènes en général. Alors, peut-être avec une nuance qu'il faudrait tout de suite ajouter, c'est que pour Heidegger, il y aura quand même une question qui va tout de suite s'imposer. C'est la question de l'être et la question de l'être du phénomène en général. Mais néanmoins, c'est important de dire que effectivement, il peut y avoir une phénoménologie des phénomènes sociaux, hein, il peut y avoir une psychologie phénoménologique. On a d'ailleurs des cours de Husserl qui sont consacrés à la psychologie phénoménologique. On peut avoir aussi une phénoménologie de la vie spirituelle. On peut avoir une phénoménologie de la religion en tant que phénomène spirituel, et on peut avoir aussi une phénoménologie de la perception, du rêve, etc. Donc il y a, effectivement, là, il y a une ouverture fondamentale de la phénoménologie, puisque tout est susceptible de faire l'objet d'une démarche et d'une approche phénoménologique. Et donc, on distinguera en phénoménologie différentes régions d'être, selon la nature de ces phénomènes, mais il n'y a pas une région particulière. Ce qui nous conduit à une définition de la phénoménologie. Tout simplement, comme vous l'avez dit, la phénoménologie, c'est la science des phénomènes. Et il faut insister sur ce terme de science, peut-être, parce que, en tout cas pour Husserl, la phénoménologie, c'est bien une science. Il a écrit un livre qui s'intitule « La phénoménologie comme science rigoureuse ». Et donc, la scientificité, elle n'est pas réservée aux mathématiques, elle n'est pas réservée à la physique, à ce qu'on appelle parfois les sciences dures ou sciences exactes, mais il y a la possibilité, et précisément le projet de Husserl, c'est de fonder cette science, il est possible de développer une science des phénomènes. Et la phénoménologie, c'est d'abord la science des phénomènes en tant que telle, et là on pourrait faire une distinction importante. C'est la science des phénomènes, mais son objectif premier, c'est la description. Il s'agit de décrire. Il s'agit, et alors là, pour moi c'est une distinction importante, et c'est pour ça que d'ailleurs je me suis intéressé à la phénoménologie, il ne s'agit pas de se lancer dans des spéculations. Je dirais que même ce qui caractérise, j'ai envie de dire, l'esprit de la phénoménologie, c'est avant tout le souci du phénomène, de sa description. Et donc, on retrouve ici la formule de Husserl, qui est le grand mot d'ordre de la phénoménologie, et qui l'a défini, c'est retour aux choses elles-mêmes. Retour aux choses elles-mêmes, que mot d'ordre que tous les phénoménologues, et je crois que c'est peut-être même un signe de reconnaissance entre les phénoménologues, que tous les à commencer par Heidegger, que tous les phénoménologues vont reprendre à leur manière. Il s'agit donc de faire retour aux choses elles-mêmes, et les choses, il faut faire attention, les choses, c'est pas simplement les objets que l'on perçoit, ce sont tous les phénomènes. Et donc, faire retour aux choses elles-mêmes, le mot allemand c'est Zaron, c'est pas Ding. Hein. C'est le faire retour aux choses elles-mêmes, c'est faire retour par exemple aux phénomènes spirituels, faire retour aux phénomènes sociaux. Et donc ici, phénomène, l'expression faire retour aux choses elles-mêmes, il ne faut surtout pas l'entendre d'une façon trop étroite, au sens où chose désignerait uniquement chose perçue. Quelle est en fait la nécessité d'une telle description, si les phénomènes se donnent d'emblée? Est-ce que la phénoménologie s'entend sur les phénomènes au sens peut-être vulgaire du terme, de ce qui se donne? Tout à fait. Alors là, il y a une question qui est vraiment importante, parce que on pourrait dire la phénoménologie n'apporte rien. Hein. Je veux dire que la sociologie, elle s'interroge sur les phénomènes sociaux, la psychologie sur les phénomènes psychiques, etc. Donc ici, la phénoménologie semble superflue. Alors,
L'intérêt de la phénoménologie, c'est que précisément, et alors là c'est un petit peu plus délicat, les phénomènes de la phénoménologie ne sont pas les phénomènes, on va dire, du sens commun. Et la question se pose, est-ce que les phénomènes de la phénoménologie sont directement accessibles? Réponse, non. Et c'est ça qui va faire tout l'intérêt de la phénoménologie. Et c'est ça qui légitime son existence, qui donne un sens à son existence. C'est que précisément, les phénomènes de la phénoménologie, ce ne sont pas les phénomènes tels qu'ils s'offrent à tout un chacun. Heidegger a une formule étonnante. Hein. Il envisage une phénoménologie de l'inapparent. C'est précisément ce qui intéresse la phénoménologie, c'est le phénomène en tant qu'il n'apparaît pas au premier abord. Ça ne veut pas dire qu'il n'apparaît pas du tout, parce qu'à ce moment-là, on ne serait plus en phénoménologie. Mais c'est le phénomène en tant qu'il n'apparaît pas au premier abord. Et effectivement, si le phénomène de la phénoménologie était accessible à tout le monde, alors à ce moment-là, la phénoménologie en elle-même n'aurait aucun intérêt. Heidegger dit justement, c'est ça, hein, considérant l'être de l'étang, il dit, il ne se donne pas de prime abord et le plus souvent. Voilà, tout à fait. Hein. J'ai, d'ailleurs, pour préparer, j'ai noté une belle formule qui recoupe, hein, ouais, celle que vous venez de me donner, je me permets de la lire. Hein. Qu'est-ce qui doit être appelé phénomène en un sens privilégié, hein, c'est donc là une citation de être-étang. Et réponse de Heidegger, manifestement, quelque chose qui, d'abord et le plus souvent, ne se montre justement pas. Qui, je poursuis la citation, à la différence de ce qui se montre d'abord et le plus souvent, est en retrait. Très belle formule, c'est l'idée de retrait. Le phénomène de la phénoménologie, c'est pas, je dirais, ce qui se donne au premier coup d'œil, ce qui se donne immédiatement, mais au contraire, ce qui suppose qu'on aille le découvrir. Une médiation. Voilà. Voilà, une médiation. Méthodologique. Et peut-être ici, il faut insister sur cette expression de retrait. Parce que ce qui est en retrait, ce n'est pas ce qui est scellé définitivement, ce qui est caché et qui ne sera jamais découvert. Comme la chose en soi, par exactement. Exemple. Voilà. Comme la chose en soi, elle n'est pas en retrait. L'idée de ce qui se tient en retrait, c'est aussi c'est l'idée de ce qui pourrait se mettre en avant. Ou que c'est l'idée de quelque chose qui pourrait être mis en avant. Et donc ici, il y a une distinction fondamentale entre la phénoménologie, le phénomène en tant que le phénomène, c'est ce qui est en retrait, et donc se pose la question, mais la question de l'accessibilité, des conditions de dévoilement du phénomène. Et aussi se pose la question, pourquoi le phénomène est en retrait? Qu'est-ce qui masque le phénomène? Autrement dit, quels sont les obstacles que rencontre la phénoménologie dans son dévoilement du phénomène? Et il y a une réponse très simple, hein, on peut commencer très simplement. Je dirais, le premier obstacle, ce sont, là il n'y a vraiment pas d'originalité, ce sont les préjugés. C'est-à-dire les idées préconçues, les opinions du sens commun. Qui occultent la chose qui occultent le phénomène lui-même, qui occultent la chose même. Hein. On pourrait développer un tout petit peu cette idée. Parce que ça, c'est un thème qui est assez séduisant, qui a fait, enfin, c'est l'un des thèmes qui a fait le succès de Zanunzak, de être étant, c'est la dictature du « on », cette thématique de la dictature, c'est-à-dire, on pense ceci, et ce qu'on pense, précisément, c'est peut-être ce qui va nous masquer le phénomène lui-même. Et donc, le phénomène lui-même doit être dévoilé, mais pour le dévoiler, il s'agit, de surmonter un certain nombre d'obstacles, à commencer par les préjugés. Mais ce ne sont pas les seuls obstacles. Il y a un deuxième obstacle plus fondamental, que souligne notamment Heidegger. Ce deuxième obstacle, ce sont les interprétations traditionnelles du phénomène par la philosophie tout au long de son histoire. L'obstacle n'est pas simplement l'obstacle du sens commun, mais il y a en tout cas pour Heidegger cette idée que la philosophie, bien sûr, a toute une histoire à l'intérieur de laquelle s'inscrit la phénoménologie. Et ici, la phénoménologie vient rompre avec une certaine tradition philosophique, tradition selon laquelle on interprète spontanément les phénomènes, qu'il s'agisse des phénomènes naturels
ou des phénomènes sociaux, etc. Et donc, là, il y a un deuxième obstacle fondamental. Ce deuxième obstacle, ce sont donc les interprétations traditionnelles, les premières interprétations qui ont été élaborées tout au long de l'histoire de la philosophie. Hein. Et donc, on retrouve là ce grand principe de la phénoménologie, énoncé par Husserl déjà, c'est que la phénoménologie, elle commence par l'absence de présupposition. C'est l'exigence première de la phénoménologie, l'absence totale de présupposition. Alors, exigence qui rappelle bien évidemment Descartes, hein, parce que là, Husserl s'inscrit vraiment dans le prolongement, dans la ligne de Descartes, et lui-même d'ailleurs ne s'en est pas du tout... Il n'en a pas fait du tout mystère, puisqu'il a écrit des méditations cartésiennes, hein, c'est ces fameuses conférences en 1929, qu'il fait d'ailleurs à la Sorbonne, à Paris, et qui l'intitule Méditation cartésienne. Hein, c'est un lignage. Hein, et donc ici, c'est vraiment. Il y a une parenté. Même si, alors, ces méditations cartésiennes sont l'occasion pour Husserl de se démarquer de Descartes et de montrer que la théologie n'est pas la pensée de Descartes. Mais ça, c'est secondaire. Il y a, bien sûr, comme chacun sait, il y a ce fameux doute méthodique chez Descartes. Et donc, il y a cette démarche fondamentale de mettre, alors j'utilise le terme de Husserl, hein, de mettre entre parenthèses, il dit aussi de mettre hors circuit, il y a plusieurs expressions qui sont synonymes, mettre entre parenthèses, mettre hors circuit, l'idée, mettre hors circuit, donc nos présuppositions, nos préjugés, et là, on aborde la question de la méthode, et puis de la réduction. Et de la réduction. La réduction. Alors là, il faut rentrer un tout petit peu dans un débat, pas très technique, mais avec quelques distinctions qu'il faut mettre en place si on veut comprendre de quoi il s'agit. Peut-être d'abord, il faudrait, dans un premier temps, distinguer entre ce que Husserl appelle l'attitude naturelle et l'attitude phénoménologique. Et puis après, on verra ce que signifie ce concept d'époque, qui est un peu difficile parfois, un peu ambigu. Là. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle l'attitude naturelle ? Qu'est-ce que Husserl appelle l'attitude naturelle ? Alors ça, c'est très simple. L'attitude naturelle, c'est l'attitude qui est celle de tout un chacun. On va dire celle du sujet, puisqu'on est chez Husserl, celle de tout chacun, celle du sujet, dans la vie quotidienne. Hein. Celle qui est, c'est l'attitude du sujet lorsqu'il fait la vaisselle, lorsqu'il prend le métro, lorsqu'il travaille, il téléphone, etc. C'est l'attitude donc la plus courante. Hein. Et si on précise un tout petit peu, ce que Husserl appelle une attitude naturelle, c'est en fait une certaine manière de se rapporter aux choses. Une certaine manière... J'ai envie de dire d'être au monde, mais là j'ai heideggerianise un petit peu. Hein. Donc une certaine manière d'envisager les choses, une certaine manière de se rapporter aux objets, aux étangs, généralement, aux phénomènes, une certaine manière aussi d'appréhender ces objets comme des ustensiles, comme des moyens, des outils, des instruments, et qui me permettent de faire ceci ou cela. Je prends le métro, ça me permet de me déplacer, etc. Donc là, on a une attitude qu'on va appeler une attitude naturelle, au sens où vraiment l'attitude première qui est la nôtre dans la vie quotidienne. Et donc il y a, je dirais, corrélatif de cette attitude, il y a un monde qui est le monde tel qu'il apparaît dans cette attitude. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle l'attitude phénoménologique ? L'attitude, je dirais d'abord que cette attitude, pour Husserl, c'est une attitude qui est en rupture. Non pas dans le prolongement, mais qui est en rupture avec l'attitude naturelle. J'aurais presque envie de dire que c'est une attitude contre nature. Pour souligner justement cette rupture et le fait que on n'est pas d'emblée spontanément dans une attitude phénoménologique. Et l'attitude phénoménologique, elle se gagne. Pour ça. Il s'agit justement de passer d'une attitude à l'autre et il y a un fossé entre les deux. Et ce fossé, il faut parvenir, on va le préciser, la nature de ce fossé, mais disons tout de suite que ce fossé, il faut parvenir à l'enjamber, si je puis dire, pour accéder au phénomène de la phénoménologie. Et cette attitude phénoménologique, on va dire, elle est le résultat d'une opération. D'une opération, d'un changement d'attitude, et le terme adéquat pour désigner ce changement d'attitude, cette opération, c'est la réduction phénoménologique. Et donc là, on peut se donner une première définition de la réduction phénoménologique. La réduction phénoménologique,
c'est ce passage de l'attitude naturelle à l'attitude phénoménologique, proprement dite, qui permet précisément de dévoiler le phénomène, qui permet le dévoilement des phénomènes. Alors, une fois qu'on a dit ça, je dirais que, bon, on a parlé pour Husserl et pour bon nombre de phénoménologues. Mais évidemment, cette question de la réduction phénoménologique, elle a suscité des montagnes de textes, de livres, etc. Et on reviendra peut-être là-dessus avec Sartre, Merleau-Ponty, Heidegger, etc. Mais ce que je vais faire, ce que je propose, c'est d'abord de commencer par Husserl. Et donc de voir précisément ce qu'est la réduction phénoménologique chez Husserl. Alors, il y a même une histoire de la réduction phénoménologique dans l'œuvre de Husserl. Donc, si on veut, on peut même... Alors, il y a des spécialistes qui s'interrogent pour savoir, mais la réduction... Quand est-ce que l'idée de réduction phénoménologique, de réduction transcendantale apparaît précisément? Est-ce que c'est 1907, 1906, 1905? On va pas, bien sûr, on ne va pas rentrer dans ces considérations qui sont secondaires pour notre propos. Et donc, posons-nous la question. Alors, pour Husserl, qu'est-ce que c'est que la réduction phénoménologique? On a dit, c'est un changement d'attitude... Mais alors maintenant, on peut ajouter quelque chose. C'est un changement d'attitude qui permet, pour Husserl, la description des vécus de conscience. Et là, j'ai introduit volontairement le terme de conscience, parce qu'il faut bien comprendre, et c'est d'ailleurs, je dirais, le cartésianisme de Husserl qui apparaît là, il faut bien comprendre que la phénoménologie husserlienne est une phénoménologie de la conscience. Ce que n'est pas, par exemple, la phénoménologie heideggerienne. Et là, il y a une rupture, on aura peut-être l'occasion de revenir. Et donc, il s'agit pour Husserl de décrire les vécus de conscience en tant que... Et alors là, c'est là que ça se complique un tout petit peu, parce que décrire des vécus de conscience, on dit, il y a l'introspection. La psychologie, depuis longtemps, connaît bien l'introspection, et on peut décrire. Mais la phénoménologie husserlienne n'est pas l'introspection. Elle se distingue justement de l'introspection. Elle se distingue justement par la réduction. Parce que l'introspection, dira Husserl, l'introspection demeure dans l'attitude naturelle. Elle ne rompt pas avec l'attitude naturelle. Or, précisément, la réduction phénoménologique vise, pour le dire tout de suite, pour Husserl, elle vise à saisir les vécus de conscience tels que ces vécus de conscience vont nous apparaître une fois opérées deux opérations. L'époque et la réflexion. Et c'est ici, c'est dans ce cadre qu'il faut situer la notion d'époque. C'est-à-dire qu'il y a d'une part le cadre général de la réduction phénoménologique, réduction en tant que passage d'une attitude naturelle à l'attitude phénoménologique, et dans ce cadre global, maintenant, il faut voir ce que signifie l'époque. L'époque. Alors l'époque, c'est un terme grec, qui signifie suspendre. C'est un terme que l'on connaît bien dans l'histoire de la philosophie, puisque c'est un terme qui a été mis en avant par la philosophie sceptique. La philosophie sceptique qui, justement, entend ni affirmer, ni nier, mais qui entend suspendre le jugement. C'est une suspension, c'est-à-dire que on se tient à égale distance de la... Parce que nier, c'est encore trop. Voilà, donc c'est pas un doute, en fait. Non. C'est, ou plus exactement, il faudrait plutôt dire une suspension du jugement. Je suspends. Je n'affirme ni ne dis. On peut dire que, quand même, on peut considérer ça comme une forme de doute. Mais ouais. C'est cette forme de doute sceptique bien particulière. En tout cas, pas le doute cartésien. Voilà, ça. Voilà, c'est pas le doute cartésien. Puisque le doute sceptique, c'est vraiment une donnée scolaire, mais le doute sceptique, à la différence du doute cartésien, ne vise pas la fondation du savoir. Alors que le doute cartésien, c'est un doute, on l'appelle toujours un doute méthodique, puisque précisément il s'agit d'en sortir. Le doute sceptique, d'abord. Bon. Alors, époqué, pour revenir au sens de ce terme, époqué signifie donc suspendre le jugement, cette suspension vise précisément à ni affirmer ni nier quoi que ce soit. Alors, bien sûr, Husserl connaît cette tradition, il connaît bien sûr Descartes, le doute de Descartes, mais il entend redéfinir l'époque. Et ici, je vais m'appuyer sur un texte canonique, ce qu'on appelle en jargon les IDN, c'est-à-dire les idées directrices
de Husserl, les idées directrices pour une phénoménologie. Pour une phénoménologie. C'est un texte de 1913 qui était traduit par Paul Ricoeur. La traduction a été publiée en 1950, mais il y a toute une histoire. Et dans ce texte, Husserl définit très précisément sa conception de la réduction et de l'époquée. Et il s'agit pour Husserl, dans l'époquée, plus précisément que suspendre son jugement, il s'agit de mettre, et je retrouve des expressions qu'on a utilisées, mettre entre parenthèses, de mettre hors circuit, alors d'une manière générale, nos convictions de l'attitude naturelle, il faut les mettre hors circuit, mais parmi ces convictions et au fondement de ces convictions, il y a une conviction fondamentale, et c'est cela qu'il faut arriver à mettre entre parenthèses, c'est notre croyance en l'existence du monde, de cette unique réalité spatio-temporelle qu'on appelle le monde. Et donc, l'époquée husserlienne, c'est avant tout, dans les idéennes, la mise entre parenthèses de notre conviction, de notre croyance, j'ai envie de dire, indéracinable, mais précisément, il s'agit de la déraciner, de notre croyance indéracinable, entre guillemets, donc, indéracinable en l'existence du monde. Je ne doute pas que le monde existe. Alors, je peux douter que ce que je vois existe. Tout d'un coup, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas un mirage? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que ce n'est pas une hallucination? Tout ça, c'est possible. Mais il faut remarquer que lorsque je mets en doute l'existence d'un objet, la mise en doute de l'existence de cet objet s'accomplit toujours sur fond de monde. C'est-à-dire que je ne mets pas en doute l'existence du monde total. Alors, il y en a qui le fait déjà, c'est Descartes, bien sûr. Descartes, dans les méditations métaphysiques, où il s'interroge sur l'existence de l'objet, sur l'existence du monde sensible. Il distingue. Et donc ici, Husserl revient sur ce point, et il lui semble, et on va voir pourquoi, il me semble décisif, justement, du point de vue phénoménologique, de remettre en question cette conviction profondément inscrite dans notre subjectivité. C'est la conviction, hein, c'est ce que Merleau-Ponty appelle la foi perceptive, hein, c'est cette foi en l'existence du monde. Le monde existe, et alors, bien sûr, ça pose un problème, parce que est-ce que je peux arriver à mettre entre parenthèses une telle conviction? On peut envisager des étapes dans la réduction. On peut envisager de mettre entre parenthèses, par exemple, ce que nous apprennent les sciences sur le monde. On peut envisager de mettre entre parenthèses, par exemple, la totalité. Alors, à ce moment-là, on a une époquée qui vise à l'universalité. Alors, se pose à chaque fois la question de la possibilité, de la réalité de cette mise entre parenthèses. Et là, c'est un point délicat dans la phénoménologie husserlienne. C'est un point tellement délicat qui va susciter des critiques. Non, mais on ne peut pas mettre entre parenthèses le monde. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. Parce que, ou alors, on élabore une abstraction, c'est-à-dire l'idée d'un sujet sans monde. Mais qu'est-ce que c'est qu'un sujet sans monde? Ça n'existe pas. C'est une pure abstraction. Et là, effectivement, il y a de très nombreux débats, de riches débats, tout à fait passionnants, sur la possibilité même de la réduction et de l'époquée. Mais peut-être ce qui est important, c'est de bien comprendre pourquoi Husserl exige de la phénoménologie une telle opération. Parce que, au fond, pourquoi s'imposer cette opération qui, d'une certaine manière, paraît impossible? Pourquoi s'imposer une telle opération? Eh bien, parce que, pour Husserl, la mise entre parenthèses de notre conviction, de notre croyance en l'existence du monde, va permettre de révéler, toutes les activités intentionnelles de la conscience. C'est précisément cette opération qui va nous permettre de voir, de découvrir, de dévoiler la puissance constituante du monde, la puissance de la conscience et plus exactement sa puissance constituante. Et donc ici, ce n'est pas une opération gratuite, pas du tout. Elle est la condition même, alors on va dire la condition même du phénomène, mais au sens husserlien. Et ce phénomène, c'est la conscience intentionnelle en tant que ces vécus de conscience sont constitutifs du monde. Prenons un exemple très simple.
je vois cet objet, par exemple ce chien en bronze, il me semble que cet objet, il est là devant moi, et que je ne fais que le percevoir. Oui, mais si on se place d'un point de vue phénoménologique, la perception de cet objet renvoie à bon nombre d'opérations de la conscience. La constitution de ce chien comme un objet, exige déjà une synthèse de toutes ces différentes apparitions, effectives ou possibles, de telle sorte que ces différentes apparitions, on dit Abschattungen en allemand, ces différentes apparitions ou aspects de ce chien sont rapportés à un. Et donc ici, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que des actes très simples, comme celui de la perception, ou comme l'acte très simple d'imaginer un chien, ces actes peuvent faire l'objet d'une description phénoménologique extrêmement approfondie, et cette description, la condition de cette description, c'est que précisément, je mette entre parenthèses l'existence même de ce chien pour pouvoir dévoiler en quel sens la conscience est constitutive de cet objet, et de quelle manière la conscience constitue cet objet. Et là s'ouvre effectivement un champ de recherche énorme. Alors ça c'est l'époque. J'avais annoncé un deuxième point qui me semble important pour comprendre la réduction phénoménologique. C'est qu'il y a le premier pas, l'époque. Mais cette époque, pour être féconde, suppose une deuxième opération qu'on appelle la réflexion. Et la réflexion, ce n'est pas ici... Alors c'est un terme technique, hein, c'est pas penser en général, ou sens où je vais y réfléchir, etc. Hein. On dit, bah, oui, j'y réfléchirai plus tard, etc. Non, la réflexion, c'est cet acte de retour de la conscience sur elle-même. Retour sur soi-même qui permet justement d'accomplir ce qu'on va appeler l'analyse intentionnelle, c'est-à-dire l'analyse des vécus intentionnels de la conscience, à partir desquels la conscience se donne un monde. Et ici, il faut bien distinguer entre la conscience pré-réflexive, qui vise le monde, qui vise un objet, ce chien, et puis la conscience réflexive qui revient sur elle-même, c'est la conscience qui revient sur la perception en tant que telle du chien, et qui va permettre eh bien, de dégager la structure, la corrélation, a priori, la structure a priori de la perception, en l'occurrence de ce chien ou de cet arbre, etc. C'est cette réflexion-là donc, qui nous fait revenir justement à ces actes intentionnels qui ont été oubliés, occultés, voilà, ces phénomènes voilà, qui étaient... Voilà. Alors voilà, maintenant on peut bien comprendre, voilà. Y a le phénomène du sens commun, c'est ce chien, cet arbre, etc. Et puis il y a le phénomène de la phénoménologie qui n'apparaissait pas tant qu'on n'avait pas accompli l'opération de la réduction, et ce phénomène, c'est la conscience intentionnelle, mais la conscience intentionnelle, en tant que, pas seulement en tant qu'elle est visée d'un objet, parce que ça c'est la définition première d'intentionnalité, au sens de toute conscience et conscience de quelque chose, hein, mais c'est la conscience intentionnelle en tant qu'elle est constitutive du monde. Et donc alors là, se posent aussi d'énormes questions, parce que ce mot de constitution, comment définir, voilà. Et puis quelles sont les limites? Est-ce qu'on est dans un idéalisme absolu, au sens de Berkeley? C'est-à-dire qu'en fait, le monde est l'objet construit par la conscience. Alors là, on en arrivait même à se dire, mais et les autres aussi sont des objets construits par la conscience. Alors là, on retrouve l'objection du solipsisme, en disant, mais la philosophie sombre dans le sol, à nouveau, hein, sombre à nouveau, en tout cas, elle est tentée par le solipsisme. Alors, là, il faudrait préciser qu'il ne s'agit pas d'un idéalisme absolu en ce sens-là, mais il y a un idéalisme husserlien au sens où il y a une constitution du monde à partir d'une... Alors, c'est ce que Husserl appelle la hulle, hein, une matière, hein, mais il y a une constitution du monde par la conscience. Hein. Il y a d'une part, dans la réflexion, un accès au vécu qui est un fait. Mais si on se contentait du fait... à ce moment-là, on ne pourrait pas dire quoi que ce soit de plus général que le fait lui-même. Ce que je veux dire, c'est que ce que vise la phénoménologie, c'est une science du vécu, et donc ce qu'elle vise, c'est l'universel, c'est la structure, on va dire la structure a priori,
et même on peut ajouter un terme transcendantal, mais ça on va l'expliquer après, la structure a priori du vécu lui-même. Par exemple, toute perception, alors ça c'est un exemple que reprend inlassablement Husserl, hein, et je me permets de le reprendre pour ça, toute perception est perception à partir de profils, à partir d'abschattungen, à partir d'aspects différents. Il n'y a pas une perception qui puisse saisir d'emblée la totalité de l'objet. Il faut toujours l'infinité des aspects, tout à fait. Et là apparaît ici une donnée structurelle de la perception, et on pourrait dire encore plus simplement, c'est que la perception a nécessairement une structure intentionnelle. Percevoir, c'est toujours percevoir quelque chose. Et le mot important ici, c'est toujours, puisque là, on est bien dans le dévoilement d'une structure universelle et nécessaire. Nécessairement, percevoir, c'est percevoir quelque chose. Alors, après, on peut s'interroger sur les différentes structures et essayer d'approfondir. Mais effectivement, il y a une perspective, on va dire, eidétique, pour employer le terme technique. On vise l'eidos, c'est-à-dire l'essence, la structure a priori, la structure essentielle, eidétique, des vécus. Et on va le faire pour la perception. Alors, la perception, c'est un peu le paradigme, hein, c'est certain. Mais bien sûr, on peut le faire pour bien d'autres phénomènes, comme, par exemple, je m'étais intéressé là-dessus, sur la structure de la conscience onirique. Est-ce qu'on peut développer une phénoménologie du rêve, c'est-à-dire une phénoménologie de la conscience onirique, en partant déjà de la phénoménologie de la conscience imageante, c'est-à-dire de l'imagination. Concernant ces structures, a priori, des vécus de conscience, concernant les essences, la structure eidétique. Alors effectivement, on pourrait soupçonner ou attribuer à Husserl une sorte de platonisme. Alors, platonisme qui n'a pas grand-chose à voir d'ailleurs avec Platon. Parce que c'est un Platon un peu scolaire, hein, où on distingue le monde sensible et le monde intelligible comme deux mondes séparés. L'un est le modèle, l'autre est la copie, mais en fait, ils seraient complètement séparés. On va garder cette représentation scolaire de Platon, même si en fait elle est fausse. Hein. Et donc, on va s'interroger sur le réalisme platonicien, le réalisme des idées platoniciennes. Et on va dire, mais au fond, est-ce qu'on ne retrouve pas ce réalisme chez Husserl? Alors là, Husserl est très net. Husserl ne se veut pas platonicien en ce sens. Les structures a priori, les structures eidétiques des vécus de conscience, ces structures sont inséparables des vécus de conscience. Et ça me donne la transition. On va retrouver d'une certaine manière exactement la même idée chez Heidegger. Parce que lorsque Heidegger s'interroge sur l'être de l'étant, sur l'être de ce qui m'apparaît comme étant, peu importe l'objet, un caillou ou ça. Lorsque je m'interroge sur l'être de cet étant, et cet être, c'est le phénomène à proprement parler pour Heidegger, lorsque je m'interroge sur l'être de l'étant, il ne s'agit pas de concevoir l'être comme séparé de l'étant. L'être est inséparable de l'étant. Donc en tout cas, en philologie, pas derrière-monde. Voilà, pas derrière-monde. Alors, ouais. Pas derrière-monde, ce qui... j'en profite pour faire une remarque qui me semble assez intéressante. C'est qu'il n'y a pas derrière-monde en philologie. Et si on pense à la psychanalyse, et j'y pense parce que j'ai eu une discussion comme ça, par hasard, avec quelqu'un qui me disait, mais on bavardait sur la... On parlait de la honte. De la honte. Et... cet homme me disait, mais mon psychanalyste, puisqu'il était en analyse, mon psychanalyste me dit que derrière la honte, en fait, il y a de la culpabilité. Et je lui dis, ben voilà, là, on voit bien ce qui sépare la phénoménologie de la psychanalyse. C'est que, non, il y a la honte. Et la honte, elle pas le masque de autre chose qui serait caché derrière et qui relèverait de l'inconscient. Ça, c'est, on est dans une herméneutique, comme disait très bien Ricoeur. Hein, il avait bien ça, c'était magnifique. Hein, Ricoeur parlait de l'herméneutique du soupçon, hein, une herméneutique du cachet. Hein, au contraire, en phénoménologie, on procède fondamentalement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir du cachet, bien sûr, hein, mais fondamentalement, l'herméneutique phénoménologique,
si on peut employer ce terme, au sens large alors, l'herméneutique phénoménologie, c'est une explicitation, et il ne s'agit pas et non pas du soupçon. Il s'agit d'expliciter ce qui m'apparaît, ce qui se présente. Et donc, si je m'interroge sur la honte, c'est pas pour laisser de côté la honte et puis dire, il y a un sentiment de culpabilité. Et sentiment de culpabilité qui ne m'apparaît pas, puisque moi, j'ai le sentiment d'avoir honte. Je me sens pas coupable. Et ça, c'est mon psychanalyste qui me dit, mais derrière, il y a de la culpabilité. Ben non, j'éprouve de la honte. C'est tout autre chose. La honte et la culpabilité, ça n'a rien à voir. La honte ne suppose pas une loi morale quelconque. Je n'ai pas commis de faute. Donc, ça me semble intéressant parce que là, il y a une décision vraiment fondatrice et qui caractérise la phénoménologie. Ne pas chercher, et je retrouve la formule que j'avais utilisée au début, la formule de Goethe, que l'on ne cherche rien derrière les phénomènes, ils sont eux-mêmes la doctrine. Il faut apprendre des phénomènes eux-mêmes, et c'est à partir des phénomènes eux-mêmes qu'on peut élaborer un savoir, mais il faut ne rien chercher derrière. Est-ce qu'il est possible, peut-être dans un cadre post-surlien, de penser chez des auteurs, ou en tout cas d'imaginer soit une époque sans réduction, ou une réduction sans époque ? Est-ce que ça a été traité ? On rentre un petit peu dans la postérité de Husserl, parce que alors, pour Husserl, je dirais, époque, réduction, marchent ensemble, c'est un tout. Et donc la condition de la réduction, c'est l'époque. Et Husserl a accordé une importance décisive à sa conception de la réduction, à tel point qu'il considérait que Heidegger, au fond, n'avait rien compris à la phénoménologie. Heidegger n'était pas phénoménologue parce que, justement, il lui reprochait en tout cas de ne pas avoir compris ce qu'était l'époque et la réduction. Alors, cette question de l'époque, de la réduction et de leur rapport a suscité bien des réflexions. On peut commencer peut-être par Heidegger, parce que c'est un point vraiment intéressant, ça. On a dit, la réduction phénoménologique, c'est la clé de voûte de la phénoménologie husserlienne. Et on peut se poser une simple question, lorsqu'on lit Heidegger, mais que devient cette clé de voûte? Que devient la réduction phénoménologique, hein? Et, de fait, lorsqu'on lit Être et temps, donc 1927, il n'est pas question de réduction phénoménologique. Il n'est pas question d'époque. Et pourtant, en même temps, Heidegger se réclame explicitement de la phénoménologie. Et donc, d'emblée, il s'inscrit dans la postérité de Husserl. On peut penser au paragraphe 7. Exactement, paragraphe 7, où il y a un paragraphe entier consacré à qu'est-ce qu'un phénomène, qu'est-ce que la phénoménologie, etc. Mais, dans ce paragraphe, le mot époque, le terme de réduction phénoménologique, n'apparaît pas. Et ce qui est intéressant, c'est que le point de départ de Être et temps, c'est ce que Heidegger appelle le Dasein, c'est-à-dire, on va dire, l'être humain, si on veut faire simple. Le Dasein, c'est-à-dire, on pourrait dire aussi l'existant, si on voulait traduire, on peut dire l'être-là, mais bon, rentrons pas dans ces détails, dans ces questions. Et le point de départ de Heidegger, c'est l'existant, l'être humain, dans la vie quotidienne. Et donc ici, on pourrait avoir l'impression qu'il n'y a pas de réduction, il n'y a pas d'époque chez Heidegger. Alors, il y a cependant une remarque de Heidegger qui met la puce à l'oreille, c'est qu'il dit, mais le Dasein, je le cite parce que je l'avais noté, elle me semblait vraiment intéressante, le Dasein est ontologiquement au plus loin de lui-même. S'il est au plus près de lui-même, ontiquement, c'est-à-dire pour ce qui concerne la propre saisie de ses conduites, la propre compréhension de ce qu'il fait, de ses aspirations, s'il est au plus près de lui-même d'un point de vue existentiel, on va dire, en revanche, d'un point de vue ontologique, lorsqu'il s'agit de son être même, le Dasein est au plus loin de lui-même. Et donc on retrouve cette question qui caractérise la phénoménologie, et en ce sens-là, Heidegger est bien un phénoménologue, on retrouve la question sur laquelle... comment l'existant, l'être humain, le Dasein, peut-il accéder à son propre être? Et là, je vais m'appuyer sur la réponse que l'on doit, entre autres, à Jean-François Courtine, qui accorde à l'angoisse un rôle décisif dans,
je dirais l'économie de Zionside. Pourquoi l'angoisse ? Parce que l'angoisse est cette disposition affective, très différente de la peur, cette disposition affective qui, pour Heidegger, confronte le Dasein à son être même, et tout d'abord à son être jeté. Et ici, il y a une dimension proprement révélatrice de l'affectivité. Au fond, nous accédons par l'affectivité à la révélation de notre propre être. Et au cœur de l'affectivité se trouve l'angoisse, cette angoisse que, pour Heidegger, nous passons notre temps à fuir, que nous, à travers différentes activités qui sont autant de divertissements, hein. Mais cette angoisse constitue une expérience, une épreuve plutôt qu'une expérience, une épreuve affective privilégiée qui permet au Dasein d'accéder à son propre être. Et donc, on retrouve chez Heidegger, alors, avec beaucoup de transformations, hein, on retrouve une conception de la réduction, mais la réduction chez Heidegger n'est plus une opération du sujet. Hein, ce n'est plus du tout quelque chose que je décide, hein, mais c'est ce qui, dans certaines circonstances, m'envahit, l'angoisse m'envahit, elle s'impose à moi, et il y a une positivité de cette épreuve, puisque précisément dans l'angoisse, mais aussi, nous dira Heidegger, dans d'autres épreuves telles que l'ennui, dans l'angoisse, dans l'ennui, Sartre lui dira à travers la nausée, oui, etc., eh bien, il y a, s'ouvre une révélation de mon être. Du coup, si ce n'est plus méthodologique, est-ce qu'on pourrait parler de quelque chose comme une épopée ou une réduction sauvage ? Alors, sauvage, je suis un peu embarrassé. Sauvage au sens, alors au sens où ce n'est pas volontaire, ce n'est pas voulu, c'est pas intentionnel, c'est pas visé, c'est pas recherché. Et donc en ce sens-là, oui, c'est sauvage. Parce que il faudrait distinguer entre une époque volontaire qui serait husserlienne, une, alors entre guillemets maintenant, parce que Heidegger n'emploie pas le terme d'époque, donc c'est difficile de l'employer, hein, une entre guillemets, époque involontaire, qui serait constituée par l'épreuve de l'angoisse, et puis une époque qui serait vraiment sauvage, mais qui serait une époque pathologique. Et là, je fais allusion à un grand livre qui est vraiment un grand livre d'un psychiatre qui s'appelle Wolfgang Blankenburg, et qui s'intitule « La perte de l'évidence naturelle ». Et quand on réfléchit sur l'époque, la réduction, difficile de faire abstraction de ce grand livre d'un psychiatre qui s'interroge sur ce qu'il appelle, ou plus exactement à la suite de l'un de ses malades, ce qu'il appelle la perte de l'évidence naturelle et qui caractérise la schizophrénie. Et là, il y a un chapitre vraiment tout à fait passionnant sur la schizophrénie et sur cette forme d'époque, mais pathologique, cette forme d'époque, de telle sorte que, le monde ne va plus de soi. Plus rien va de soi. C'est l'exemple que prend Blankenburg, qu'il emprunte à l'une de ses malades. Faire la vaisselle devient un problème insurmontable. Hein, parce que, le fait que, voilà, il y a quelque chose en dessous, est-ce qu'il y a quelque chose en dessous ? Voilà, plus rien n'a d'évidence. Alors, c'est vraiment intéressant parce que, effectivement, alors, il faudrait après distinguer, mais il y a quand même une parenté. Alors, reste à préciser la nature de cette parenté, mais il y a une parenté avec, l'idée husserlienne de mise entre parenthèses de nos convictions, de nos certitudes, et d'abord de cette évidence fondamentale sur laquelle on ne peut pas vivre, l'évidence que le monde est, et que donc les objets qui composent existent, sont. Et donc, moi je distinguerais entre l'époque husserlienne et puis l'époque sauvage, l'époque sauvage, qui serait l'époque pathologique. Et puis alors, chez Heidegger, une époque qui est, en fait, qui n'est pas une époque, mais qui est plutôt une épreuve. Et si je puis me permettre d'ajouter un dernier élément, parce que dans cette problématique, il y a quelqu'un qui est intéressant, c'est Patochka. Oui. Parce que Patochka, c'est précisément celui qui a, en quelque sorte, joué l'époque contre la réduction.
Il refuse la réduction phénoménologique au sens husserlien dans la mesure où cette réduction reconduit le phénomène à la subjectivité. Voilà. Il reconduit le phénomène à l'ego, transcendantal. Peut-être qu'on ajoutera un mot tout à l'heure sur cette notion transcendantale. Ouais. Mais Patochka, justement, tourne dos à ce subjectivisme proprement husserlien et à ce fond cartésien de la philosophie husserlienne. Il tourne dos à ce subjectivisme en refusant la réduction au nom de l'époqué, mais l'époqué, c'est précisément ce qui permet d'accéder à l'apparaître lui-même. Et de ce point de vue, la subjectivité n'est pas la condition fondamentale, c'est l'une des dimensions de l'apparaître. Et là, effectivement, donc, on voit bien comment toute l'histoire de la phénoménologie est habitée par cette question de la réduction. Mais si on voulait mettre de l'ordre, on pourrait dire que, en fait, il y a deux grandes conceptions de la réduction. Il y a une conception qui est proprement husserlienne, qui est une conception subjectiviste, qui consiste justement à recourir à la réduction à l'époque afin de pouvoir accéder au vécu de conscience et à la structure intentionnelle de ses vécus et à la conscience et à ses vécus. Et puis, il y a une deuxième conception qui, au contraire, je dirais, alors, plus du côté de Heidegger et de Patochka, qui voudrait tourner le dos au subjectivisme fondateur de la phénoménologie, du fondateur de la phénoménologie, et qui développerait une pensée de la, entre guillemets, réduction transcendantale, alors entre guillemets, parce que là, les mots n'ont plus le même sens, une conception de la réduction qui permet d'accéder, je dirais, à l'être au monde et à l'apparaître en tant que tel. Et là, mais il ne s'agit plus de conscience. Il s'agit plus, le phénomène, ce n'est plus la conscience. Le phénomène, c'est ce qui apparaît et ce qui doit faire l'objet d'une explicitation, mais ce n'est plus un vécu de conscience. Là, on a tourné le dos à Husserl. Ouais. On pourrait dire qu'une forme d'époquée se réalise avec certains affects. Mm-hmm. Et là, on a vu tu as donné quelques exemples, donc de l'angoisse, par exemple. Tu as évoqué aussi chez Sartre la nausée, l'ennui, ou encore chez Heidegger, etc. Mm-hmm. Donc on voit, là, c'est des sentiments ou des affects un peu graves. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi que... par exemple, cette époque non méthodique, non volontaire, puisse survenir à l'occasion d'un affect, justement, entre guillemets, plus positif. Par exemple, la joie devant une œuvre d'art ou le plaisir. Oui, alors, bon, il se trouve tout à fait. Hein, c'est effectivement le plaisir esthétique, mais peut-être la joie même, la joie d'exister. On pourrait aussi, effectivement, on a toujours l'impression que la phénoménologie, et notamment la phénoménologie, on va dire, existentielle, privilégie toujours des tonalités sombres. Mais on pourrait, effectivement, alors, de fait, dans être étant, c'est l'angoisse qui est privilégiée. Hein. Mais on pourrait tout à fait s'interroger sur la puissance révélatrice de la joie d'exister. Hein. Et donc, il n'y a pas d'interdiction. Ce n'est pas nécessairement les dispositions affectives les plus sombres qui sont les plus révélatrices. Hein. Même si peut-être qu'il y a quand même un privilège, alors là je me lance, hein, je n'ai pas beaucoup réfléchi à ça, mais il y a peut-être quand même un privilège des dispositions particulièrement sombres, dans le sens où au cœur d'une phénoménologie de l'existence, en tout cas d'inspiration heideggerienne, il y a l'idée que l'existence est un fardeau. C'est l'expression, genre, le mot fardeau est emprunté à Heidegger, hein, c'est l'existence d'un fardeau, difficile d'exister. Difficile. Nombreux sont ceux qui vacillent, qui trébuchent, qui parfois même s'écroulent. Hein. Et donc, peut-être que il y a un privilège quand même accordé à ces tonalités particulièrement sombres, que sont l'angoisse ou l'ennui sur la joie d'exister. N'y a-t-il pas de ce qu'on appelle de solution de continuité, c'est-à-dire de hiatus, en fait, justement infranchissable, entre les deux attitudes qu'on a relevées, hein, attitude naturelle et attitude phénoménologique. On pourrait dire encore, la tourner plus positivement cette question en demandant qu'est-ce qui motive finalement la sortie de l'attitude naturelle vers l'accomplissement, hein, du geste de la réduction.
Là encore, il y a une forme de résonance un peu platonicienne, parce qu'on pourrait se demander, est-ce qu'on n'est pas confronté justement à l'aporie du commencement, telle qu'on peut essayer de la retrouver dans la fameuse allégorie de la caverne chez Platon, hein, comment le premier philosophe a pu se débarrasser de ses chaînes et sortir de la caverne pour aller vers la connaissance, donc sortir de l'opinion. Alors, la référence platonicienne est bien connue, parce qu'elle permet de poser... toute la difficulté, hein, effectivement, comme vous le rappelez, pour sortir de la caverne, il faut que quelqu'un vienne me chercher. Et on se pose la question, bah oui, mais alors lui, qu'est-ce qui est venu le chercher? Puisque lui, il vient me chercher, mais s'il vient me chercher, c'est qu'il est sorti. Donc, ici, il y a une aporie du commencement, de la première sortie hors de la caverne, et plus généralement du premier pas. Cette difficulté, on la retrouve déjà, j'y pense tout d'un coup, on la retrouve chez Freud aussi. Puisque Freud lui-même, comment a-t-il pu surmonter le refoulement et parvenir à une interprétation de phénomènes psychiques inconscients qui sont considérés comme refoulés et donc inaccessibles en première personne? Donc on retrouve cette question. Alors, je laisse de côté Platon et Freud, on en arrive à Husserl et à Flaubert. Effectivement, là, il y a une réelle difficulté. C'est au fond, on peut la présenter ainsi, c'est la difficulté, c'est qu'est-ce qui motive la réduction? C'est la thématique, le thème de la motivation de la réduction. Pourquoi Husserl a-t-il éprouvé le besoin d'accomplir l'époque et la réduction phénoménologique? Quelle motivation? Et là, il y a une réelle difficulté qui, à nouveau, a suscité bien des considérations, bien des articles, même des livres. Je remarquerai que, dans le cas de Heidegger, on est plus à l'aise, puisqu'au fond, entre guillemets, la réduction, ou l'époque, je ne distingue pas là, mais je vous mets des guillemets, est totalement involontaire. Et donc, à travers l'angoisse, à travers l'épreuve de l'angoisse, se donne à moi mon être au monde en tant qu'être jeté, et cette épreuve, elle est constitutive de la condition humaine. Juste par être jeté, vous entendez? Être jeté, ça veut dire que je suis au monde, et pour le dire très simplement, je ne sais pas ce que je fais là. Et reste la tâche d'élaborer le sens du fait que je suis au monde. Et donc cet être jeté, c'est le fait que l'existant, le sujet, si on veut, se découvre au monde, et il lui revient la tâche de donner un sens et d'élaborer alors des mythes, d'élaborer des récits, d'élaborer un système philosophique, d'élaborer une religion, ça, de donner, donc lui revient la tâche de donner un sens à... J'aime beaucoup cette formule, qui est très violente, hein, on est jeté, voilà, jeté. Pour revenir à cette question du commencement, je dirais que une phénoménologie qui part de l'angoisse, qui part de l'affectivité, effectivement contourne cette difficulté. Et cette difficulté, elle se pose à partir du moment où on envisage la réduction comme un acte volontaire qui doit être motivé, hein. Et donc à ce moment-là, quelle peut être la motivation? Alors, on voit bien la difficulté, c'est que si on dit la motivation, c'est la découverte du phénomène, la vérité. Oui, mais il y a un problème de commencement là, parce que on peut pas mettre comme motivation première à la réduction ce qui est le résultat de la réduction. Donc là, il y a une difficulté. Et en revanche, effectivement, dans le cas de l'angoisse, dans la mesure où elle est totalement involontaire, elle me donne une pré-compréhension, avec des gradients, une pré-compréhension de mon être, qu'il nous revient après au phénologue d'expliciter. En conclusion, voilà ce qu'on peut tirer de cette première interview. On a vu au moins trois sens de phénomène. Le premier sens, c'est le phénomène au sens courant, le fait, l'événement, ou encore l'être rare, exceptionnel, qui frappe la vue ou l'imagination. Hein, l'ouragan, le phénomène de foire ou le surdoué. Le deuxième sens, c'est le phénomène au sens scientifique, c'est le fait observable et banal qui se répète et dont la science recherche les causes, les mécanismes qu'il implique. On parlera alors de phénomènes météorologiques, de phénomènes de diffraction, de phénomènes de capillarité, etc.
Ces deux types de phénomènes sont des phénomènes au sens vulgaire, car ce sont toujours des étangs, des choses qui se phénoménalisent. Le sens courant et le sens scientifique du phénomène désignent des phénomènes ontiques, de sorte qu'il n'y a pas véritablement de différence entre l'homme du commun et l'homme des sciences. Ils sont tous les deux dans l'attitude naturelle, cette attitude qui s'en tient aux choses et aux rapports causaux entre les choses. Enfin, le phénomène au sens de la phénoménologie. De prime abord, il ne se montre pas, demeure en retrait, mais est susceptible d'être montré, décelé. En tant que structure transcendantale ou idétique, il est codonné de manière implicite avec le phénomène ontique. L'attitude phénoménologique se porte vers tous les phénomènes ontologiques. Son objet n'est donc pas limité à un secteur de l'étang comme les sciences. Autrement dit, la phénoménologie s'intéresse à l'apparaître des apparaissants, à leur manière d'apparaître. Et le deuxième grand point, c'est la question de l'accès au phénomène de la phénoménologie et la question donc de la phénoménologie comme méthode. On a vu donc deux grands moments. Donc on a vu d'abord l'époké comme suspension de l'attitude naturelle, c'est-à-dire la dévitalisation de sa thèse de l'existence en soi du monde, la neutralisation de notre réalisme spontané par la mise hors circuit de cette croyance primitive et la mise entre parenthèses du monde de telle sorte que les étangs deviennent des apparaissants. Et puis évidemment donc la réduction, où réduire ne signifie pas tant limiter que reconduire. Au sens saussurien, elle désigne la reconduction de l'apparaissant à sa condition de possibilité subjective, c'est-à-dire à sa structure transcendantale ou encore au vécu intentionnel de la conscience. Et donc dans un sens post-saussurien, on dira que la réduction désigne la reconduction de l'étang à sa structure ontologique, à son être. Autrement dit, dans tous les cas, la réduction amène à thématiser, à expliciter la manière d'apparaître des apparaissants. Enfin, dernière chose, c'est que la révélation des phénomènes par la démarche réductive coïncide avec la révélation des structures eidétiques, des structures d'essence. Le phénomène recherché par le phénoménologue n'est pas un fait singulier et contingent, c'est une structure, un mode d'être universel et nécessaire.